Salut tout le monde, c'est Aikilou et je suis avec Liberty. Salut tout le monde! Et on est sur GTA Online, ça faisait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur GTA. Et on se retrouve pour le mode multijoueur. On avait comme première vidéo à vous proposer une petite vidéo qui vous permettra, une petite astuce plutôt, qui vous permettra d'avoir beaucoup d'argent assez vite. C'est la solution la plus efficace au stade où on en est dans le jeu. Et donc voilà, le prérequis c'est qu'il faut être niveau 15, moi et Liberty on l'est déjà. Il faut juste qu'un seul membre de l'équipe soit niveau 15, les autres peuvent inviter n'importe qui. Donc une fois que vous avez atteint le niveau 15 dans GTA Online, pour avoir la blinde de thunes après l'avoir atteint, vous devez contacter, sortir votre téléphone, aller dans vos contacts et contacter notre cher ami qui s'appelle Gérald, juste ici. Gérald. Yep. Une fois que vous avez appelé Gérald, vous lui demandez une activité et vous jusqu'à ce qu'il vous propose. C'est quoi le nom de la mission Liberty vu que c'est Hey, toi qui what l'as? can I do for you? Je vais te dire ça tout de suite. Là, tu checkes dans ton carnet d'activité. Parce que regardez en haut à gauche, là, j'ai une demande d'activité et en appuyant là-dessus, il va m'envoyer une mission. Et faites Okay, ça jusqu'à ce qu'il vous keep in donne la bonne touch. mission. Il n'y a pas de nom pour l'instant, il faut rentrer dedans pour savoir le nom. Ok, bah vas-y, invite-moi, écoute, je te rejoins. C'est toi que tu m'as invité. Faut qu'on donne le nom de la Le mieux, c'est que mission. c'est. Ouais. Le nom de la mission, c'est Prix d'ennemi. Prix d'ennemi, ok, d'accord. Bah, c'est le nom de la mission. Ouais, c'est vrai, en plus, je m'en rappelle. Bah écoute, vas-y, lance et invite-moi. Yes, j'ai reçu Voilà, l'invitation. c'est Regarde, cool, juste c'est que ici. c'est notre première vidéo ensemble sur la même chaîne. Ça va être stylé. Ah, j'avoue, ouais, depuis qu'on fait des vidéos ensemble, enfin sur la même chaîne, on n'a pas fait une vidéo ensemble. Alors. Ici, Liberty of Gaming. Voilà le nom de la mission. Hein. Encore une fois, il est écrit ici. Prix d'ennemi s'appelle la mission. Faut être niveau 15 pour que Gérald vous la propose et vous pouvez la refaire à l'infini. C'est bon, je suis présent. J'achète juste quelques munitions. Voilà. Vous pouvez la faire soit tout seul, soit à 4, à 2 ou à 3. Ouais, ça rapporte le même montant de thunes. Précisons aussi que c'est préférable de la faire en facile si vous voulez la farmer encore et encore. Parce que ce soit en facile ou en difficile, l'argent reste le même. C'est juste qu'en difficile, vous avez un peu plus de réputation. Donc bah écoute quand tu veux. Lancement de la mission. Pour cette situation dans laquelle on est, c'est vrai que c'est le moyen pour se faire pas rien quand même. Ouais. Bah, le truc c'est que voilà, après on n'a pas encore essayé d'être niveau 40 ou quoi, mais au moment au stade où on en est, c'est vraiment la mission. Genre, elle a pas de concurrent quoi. Comment ça se fait qu'on ait deux fois la même voiture? T'as eu ma voiture en double? Bah c'est stylé, écoute, on va pas Tiens, se elle est plaindre. là la mienne. Ça c'est la mienne ça, hein, pour ceux qui veulent savoir. Ouais, ça c'est ta voiture perso. Bah la mienne, j'ai dépensé 60 000 dollars sur cette voiture-là juste pour les petites personnalisations. Faut savoir que comparé au solo, le online coûte beaucoup 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 plus cher et c'est beaucoup plus dur d'obtenir de l'argent. Donc rien que pour les petites modifications sur cette voiture, les modifications de base, j'en ai eu pour 65 000 dollars. Et j'ai plus de thunes quoi. Et là on va aller refarmer cette mission et vous montrer un peu comment vous faire de la thune assez vite. Ah merde, fallait tourner ici. Et pareil pour tout, hein, pour les armes, pour les vêtements, c'est vraiment cher. Ouais. Pas évident. C'est pour ça qu'une mission comme ça fait vraiment pas mal, surtout pour acheter son premier appart et tout. Et en plus elle est sympa, elle se fait en 2, 3, 4 minutes à tout casser. Et elle est pas difficile, surtout quand on la met en mode facile, je suppose. T'as un homme qui tue des gens. Tu kiffes ma voiture ou quoi? Nickel. Ah bah ouais, ça, nickel, ouais. Bon, on se gare ici, on descend. Let's go. On est arrivé sur place, en gros c'est. La voiture qui bug. En gros c'est super simple, c'est juste un deal des Lost. Et nous on doit casser le deal. Et on doit prendre la coke. Donc bon on va s'y prendre un peu doucement. Mais une fois que vous l'avez fait une, deux, trois fois, vous allez pouvoir la faire en rush. Et vous faire de l'argent en boucle, vous allez voir dans quelques instants. Moi je les contourne Liberty. Je te dis quand je suis ready. Attends un peu. Je suis prêt quand tu veux. Voilà.
Mais je me fais tirer dessus, c'est chaud pour ma gueule. Lance une grenade, hein, fais gaffe. Vas-y, vas-y, je reste à couvert. Balance ta grenade. Shit. Putain, le feu d'artifice. Tellement stylé. Merde. Trempé de couverture. Ça, c'est la stratégie qu'on effectue, les gens. C'est de les contourner. C'est une stratégie qui paye super bien. C'est-à-dire un qui va de face pour attirer leur attention. Voilà, j'ai ramassé la cam. Je prends le fourgon. De préférence. Ouais, vas-y. Il va y avoir un véhicule qui s'amène là-bas en face. Ce que vous faites, vous allez à droite. Après, vous pouvez prendre vraiment n'importe quel chemin. Hein. C'est comme vous voulez. Jusqu'ici à droite, c'est rapide. Liberty les retient pendant que moi je vais délivrer la coque. Je sais pas, j'ai pas mis de chrono, j'ai pas compté. Mais vous pouvez compter à la durée de la vidéo. La mission dure 2 minutes. Vraiment 2 minutes. Et vous allez voir combien d'argent ça fait. Alors, on va arriver ici. Jusqu'à l'objectif. J'y suis dans 2 secondes. Hein. Voilà. Comment t'es pépère? Bien joué. Ils m'en veulent, les mecs. C'est bon. J'ai rejoint Gérald. Je lui file la thune. Enfin, la cam plutôt. Nice. Now keep your mouth shut about me, you hear? Ouais. Voilà, voilà. Mission réussie en à peu près, j'ai pas compté, mais ça doit faire 2 minutes 30, 3 minutes même pas. Et on a 9 000 $, ce qui est vraiment pas rien dans le online. Et on a en plus pas mal d'XP. Surtout si vous la faites en difficile. Alors après, si vous êtes du style, si vous voulez un peu plus d'XP, vous pouvez la faire en difficile. Ça vous rapportera 1.5 de RP en plus. Alors, je vais mettre j'aime. Et puis écoute, on va s'arrêter ici. Je pense, on voulait vraiment vous montrer cette mission-là. Suffit après ensuite de cliquer sur rejouer ici, enfin d'appuyer sur rejouer ici. Et vous allez refaire la mission autant de fois que vous voudrez, 2-3 minutes, 9 000 $, vous faites le calcul. Vous avez atteint les 100 000, les 200 000, les 300 000 dollars super vite. Comme j'ai dit, il faut être niveau 15 pour pouvoir la faire, pour que Gérald vous la propose. Vous l'appelez et la mission s'appelle Prix d'ennemis. Et puis on vous souhaite bonne chance. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire. Et on vous fera peut-être d'autres vidéos sur le multi, d'autres trucs à ajouter, Liberty. Non, tout est nickel, on espère que vous avez kiffé. Et on vous dit bonne chance pour la mission. Allez, à bientôt tout le monde, ciao. Salut.